Oh merde. Je n'étais pas tombé dans la piscine, tu sais bien ce que je t'aurais fait, hein? Allô? Bonjour, maman. Oui, maman. Très bien, maman. D'accord, maman. Bonjour, maman. Oui, maman. Maman, pourquoi tu m'as pas fait refaire? Papa, quand tu vas sortir? Je ne sais pas quand. En pyjama, ça veut dire 60 kilos. Super, plein fort. James, et le plus beau et le plus fort dans la classe mondiale. International. Oh. Universel. Deluxe. La maman au téléphone. Non, maman, non. Je n'ai pas pu aller. Oui, maman. Oui. Oui, je puis la tisane, relaxatif. Tu joues bien, maman. Rien. Oui, maman. Je fais ce que je peux. Maman. Oui, je te tiens au courant si j'ai de nouveau. Ciao, maman. Maman, maman. Pourquoi tu m'as pas fait pour parler? 10, 15, 25, 30, 45. Je suis pas en forme. Raté. Allez, c'est l'heure de la culture physique. Ça fait du bien, la culture physique. Basta, basta.
Qu'est-ce que je l'aime bien, celui-là. Bon, un peu d'air frais et je serai en pleine forme. Allô? Oui, maman. Oui, maman. Non, écoute, maman. Laisse-moi que je t'explique. Écoute, maman. Je te jure qu'à partir d'aujourd'hui, je vais chercher du travail. J'y allais, justement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Bon, écoute, ma belle. Tu sais, tu me casses les pieds. Oui, tu as raison, je suis en dehors. Mais c'est ma nature. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai besoin de ma liberté. Et tu m'étouffles. T'as compris? Alors laisse-moi tranquille, beauté. Bye bye. Eh, les femmes, tu les mêmes, hein? Quelle plaie! Eh oui. On les consomme comme des Kleenex. Et après, on les jette. Hop! Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous en avez de la chance, vous autres, les orientaux. Eh oui. Vous êtes fort. Oui, sportif. Vous en avez avec moi? Non, merci. Toujours à pied. La forme. Jockey. Au revoir, merci. Maman! Vous vous êtes fait mal? C'est rien. C'est mon exercice du matin. Double saut périlleux avec cabriole. Et double spirale à l'envers. Mais aujourd'hui, j'ai oublié le retour. C'est rien, c'est rien. J'ai compris. Et donc, il en met du temps à descendre ce matin. Mademoiselle, et si vous voulez profiter de ma voiture, j'y vais justement où vous voulez. Pendant que vous y êtes, vous pourriez donner un petit coup de surprise. Quel con. C'est pas mal. Bof. Encore une contravention. 214. Bon, je m'en fous. J'attends l'amnistie, moi. On devrait changer souvent le gouvernement. Et quelquefois, hein. Il faudrait que je me décide à réparer cette pare-brise. Il démarre. Eh ben, pour le camouflage, on peut dire qu'il a mis le paquet, hein. Lédron, sa belle ours, répondez. Oui, c'est belle ours. Vous écoutons. 9h32, il sort de chez lui, on le prend en chasse. Bien compris, terminé. Attends les pourboires maintenant. En plein dans les dents. En plein dans les dents. Oui. Oui, oui, ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? La couleur sur le poteau, c'est quoi? Mon papier. Je suis connu par les... Mon papier. Mon papier. On prend pour fantômes. Allez, gagne-vous là. Poussez. Allez. Poussez. Donnez-moi ça, poussez-vous la voiture. Je fais moi la circulation. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est que cette circuler, danger, ça fait mal, ça, hein. Circuler, on n'est pas au cirque ici, hein. Allez, poussez. Mademoiselle, je suis là pour la place d'ajusteur. Oh, oh. Hé, hey, poupée, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais alors, hein? Tu viens avec moi ce soir, je t'emmène au restaurant. Hé, hey, poulet, tu es libre ce soir. Tourne-toi, tourne-toi. Oh, oh. Oh là là! Oh, c'est terrible! Bon, je vais réfléchir. Et pour le travail, c'est où? C'est là-bas. Là-bas? Bonjour, messieurs, dames! Oui, quelle profession? S'il vous plaît, les messieurs qui l'engagent pour le travail. Mets ce lunette là. Messieurs! Oui, asseyez-vous chez vous. Si. Qu'est-ce que vous avez comme à qui c'est ça?
Mais faut pas laisser ça là, mes messieurs, faut mettre ça sous les porte-manteaux, là. Laissez, laissez, je fais moi, j'ai l'habitude. Je vise bien là. Hop! Mais dis donc, papa, comment ça que tu t'arrêtes quand je suis pas là? Oh, mais quoi, dis-moi? Mais des peu. Enfin. Oui, oui, j'ai plus rien à faire ici. Au revoir. Bon appétit. La 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 la. Mais tout de suite, notre film avec Sean Connery... James Bond! James, please. Calme. Calme, j'arrive. Détends-toi, je sais. Ah, James. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Les plantes? Oui. Je dois me rappeler de relever les plantes. Oui, maman, ne m'embête pas, je t'en prie. Rien n'est plus doux qu'une main de 50 visons. Calme. Oh, I love you, Jake. Calme. Alors bravo, tu l'as laissé filer. Parce que je suis tout seul. Allez, attends, on va voir s'il est chez lui. Allez. Calme, calme. Détendez-vous. Détendez-vous. Ne pensez rien. Ne pensez à rien. Oh, Jay. Opération Tonnerre, vous connaissez. Opération Tonnerre, vous connaissez. Je travaille pour Zorzec. À casse-pied, téléphone toujours. Oublie-moi, toi et les plaintes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il est en rogne contre toi. Contre moi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, va te faire foutre, toi et les plaintes. Les plantes? Oui. Les plantes? Oui. Merde. Dis-moi, I love you, James. I love you, James. I love you, James. Dis-moi, je te rends folle de plaisir. Tu me rends folle de plaisir. I love you, James. I love you, James. I love you, James. I love you, James. I love you. I love you. Dis-moi en anglais, I love you, James. I love you, James. Encore. I love you, James. J'ai rien compris, dis-le-moi en français. Hein. Je t'aime, James. Bon, ça va. Viens. Tu peux ouvrir le champagne maintenant, hein? Rien t'empêche de continuer à me dire je t'aime, James. Je t'aime, James. Je t'aime, James. En toutes les langues. En espagnol? Espagnol? Te quiero, James. Et en arabe? En arabe? Je ne m'en rappelle plus. Tu me bottes. Madame, monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. James Borromeo, le célèbre détective, a disparu. Les renseignements pour l'heure sont contradictoires. A-t-il été enlevé? A-t-il été éliminé? Comme vous le savez, Borromeo était devenu le spécialiste, on peut le dire, de l'espionnage industriel. Il était d'ailleurs sur le point de découvrir tout le système de l'affaire Béatrix. Maman! L'affaire Béatrix, cette formule, vous vous en souvenez sans doute, considérée comme une révolution dans le monde de la chimie. Le Tour de France en accusation après les déclarations du ministre sur l'omniprésence de la publicité sur cette compétition.
Iran, élection présidentielle aujourd'hui avec l'élection. Des gonzesses partout. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Sans moustache, il fait encore plus pédé. Oui. Libérez-vous de ce complexe, Giacomo. Enfin, arrêtez de penser cesse à ce James Bond. Enfin, c'est démodé. Enfin, depuis 10 ans, vous n'avez rien pu trouver de mieux. Chassez-le de votre esprit. Oubliez qu'il existe. Vos rêves deviennent dangereux. Regardez-moi ça. Vous passez à travers les fenêtres maintenant. Écoutez-moi. Vous devez être vous-même. Vous-même. Giacomo. Giacomo. Tenez. Regardez-moi. À qui est-ce que j'en ressemble? Moi. Einstein. Ah! Vous voyez qui je veux dire? Non. Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Mais oui, tout le monde me le dit. Einstein! À tel point que j'ai laissé pousser ma barbichette pour en finir. Mais de lui, je m'en fiche. Moi, c'est moi. Et vous faites comme moi. Et vous serez un homme heureux. Quoi, James Bond? Giacomo, mais vous êtes bien plus beau que lui. Bien plus beau. Vous êtes Giacomo. Vous serez heureux. Oui, d'accord. Giacomo. 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 Oui, je suis Giacomo, pas James. James, c'est merde. Je suis Giacomo. Giacomo. Je suis bon. Oui. Oui, je suis bon, moi. Giacomo, oui. Je suis bon. Oui. Oh. Ah, il est pas mal, quand même, hein. C'est une connerie, c'est le meilleur. Non, c'est de la merde. Moi, je suis Giacomo, pas James. Et je suis pas dégueulasse, quand même, hein. Einstein, mon maître. Albert, on l'a bien eu. Je ne suis pas James, je suis Giacomo. Je suis Giacomo, il ne faut pas que je rêve de lui. Oh merde, cette porte est fermée. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, on l'a assommé ou quoi, il est mort? Non, ça fonctionne. Aide-moi. Ma tête. Des fantômes? Je délire totalement. Après un coup comme ça, je ne suis pas prêt de me réveiller. Salut, James. Qu'est-ce que vous avez dit? Ben, j'ai dit salut, James. Où je débloque complètement. Salut, James, James. Rien à faire, je ne sortirai jamais de cette James. Écoute, ça fait un bon bout de temps qu'on te suit. Je veux que tu reprennes ton service et que tu mènes ta mission à bonne fin. T'as compris? Quelle mission? Goldfinger? Opération Tonnerre? Sors-tu pas mon raquette, parce que cela, ça m'intéresse pas du tout. Inutile de jouer au con. Hein? Où étais-tu pendant tout ce temps-là? Et pourquoi tu nous as fait croire que t'étais crevé? T'avais la trouille ou quoi? À quoi tu joues? Voilà maintenant, quels sont tes plans à propos de l'opération Béatrix? De quel côté es-tu? Réponds, de quel côté? Qu'est-ce qu'il raconte, cet argument? N'y fais pas attention. Il n'a pas compris que tu l'as fait pour retrouver l'anonymat. Ouais. Et toi, tu comprends pas que James mort nous sert davantage que James vivant? Hein? James mort, James vivant. Mais alors, je rêve encore. Parce qu'il n'y a que dans les rêves qu'on peut dire des conneries pareilles. Ça suffit, tu t'habilles et tu viens avec nous maintenant. Hein? Parce que toi, tu rigoles, mais les patrons, ils rigolent pas. Ah, et on va... Alors toi, tu retournes en Orient. En Orient? Parce que je suis déjà allé, moi, en Orient.
Oui, c'est vrai, c'était dans l'autre rêve. J'étais déjà en Orient, moi, n'est-ce pas? Oh, mais c'est pas possible. Je n'arrive pas à me réveiller. Réveille-toi, Giacomo, réveille-toi. J'arrive pas à me réveiller. Il faut que je m'imite. J'arrive pas. Bon, tant pis. Appelez-moi James. J'aime bien cette rêve, finalement. Bon, c'est fini. Alors, habille-toi. Giacomo, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, professeur, le reste continue à me harceler. Qu'est-ce que ce mec-là encore? Ça, c'est peut-être que j'ai déjà vu quelque part, faudra vérifier au fichier. Vous savez, professeur, c'est la première fois que je vous rencontre en rêve. Je vous raconterai tout quand je me réveillerai. On ne parle pas encore de là. Qu'est-ce que tu veux dire, mon gars? Oh, on l'écrase, Jeff, je te dis qu'il est des nôtres. Et James n'a jamais joué le double jeu. Allez, vite. Allez, monte. Tiens, ta valise, on te la récupère. Et... Lune Rousse à Bellours, vous êtes à l'écoute? Bellours, toujours à l'écoute. Vous avez établi le contact? Ok, conduisez-le à l'aéroport, c'est pour l'Ombetta. L'opération Béatrix est relancée. Nous appelons notre agent à Tunis pour l'avertir de l'arrivée de James Borromeo. Réveille-toi, please, Irham Waldik, Mohamed. De Paris. Où ça, Barry? Paris en France. Excuse-lui, au téléphone. Passe-les-moi sur ma ligne privée. Allô? 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 Oui, ici Mohamed Linatik, l'espion qui venait du show, j'écoute. Oui, allô? Allô, qui c'est qui est dedans le pareil? Allô, oui, c'est ça, oui, je vous reçois 5 sur 5, je suis tout, oui, j'écoute. Arrêtez de nous dire j'écoute, laissez-nous parler, bon sang. James Borromeo est vivant. James est vivant? Il est vivant. Ah, ben c'est qu'il n'est pas mort, alors. Il est vivant. Ah bon? Oui, ben, bien sûr, j'ai compris, c'est ça. Allô, s'il vous plaît, mademoiselle, s'il vous plaît, ne vous introduisez pas sur la ligne, please. Je suis en communication avec le contre-espionnage, allons, allons. Aïe, quelle dégotation! Ah, vous êtes là, chef. Oh, il y avait une interférence sur la ligne, là. C'est des histoires des grands, ça. C'est pas des histoires des jeunes. Tout le monde d'avoir l'œil. C'est ça. Oui. Le type n'est pas très normal en ce moment. Il n'est pas normal. Le type n'est pas normal? Ah bon? Il a changé de tête. Il a changé de tête? Il est rigolo, ce type-là, franchement. C'est top secret, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Discrétion assurée, comme d'habitude. Natural bûche. Oh, t'as pu venir avec ce téléphone? Yann Nama, jusqu'à quand? Fatma, m'embête pas, tu vois pas que je travaille, non? C'est important, c'est les espions de Paris, c'est le détective qui revient. Encore celui-là? Mais Boutus, attention, va pas encore le chanter sur tous les toits, je te connais toi, hein? Fatma! Zubaïda! Il y a l'espion qui revient, Zubaïda! Aïcha, j'ai tout ce genre! Ça y est, la cuirasse au sommet! Yeah.
Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi la paix, maman. Monsieur, tout le monde est descendu. Vous êtes le dernier. Ils sont partis? Eh oui, ils sont partis. Je m'étais assoupi un peu. Monsieur, attention, on a déjà enlevé la passerelle, il faut descendre par l'arrière. Ah, je vois bien. Mais vous n'avez jamais rêvé de tomber dans le vide? C'est une sensation merveilleuse. On tombe, et quand on se réveille, on a pas mal de tout. Ciao, beauté. À bientôt. Maman! Ce rêve néo-réaliste, il commence à me casser les pieds. La valise! C'est la valise, la noire, la grande, là! Oh, ma valise! Arrêtez-la! Merde, je l'ai passée dans l'autre côté. Oh, ma valise! Tiens, c'est pas moi, ça? Le type n'est pas normal. C'est très fort le côté transistor, hein? Mais moi aussi j'ai trouvé un bon truc. Tiens, vu? Pourquoi la pancarte? Pour établir le contact. D'ailleurs, comment tu voulais que je te reconnaisse? Sans la barbe, les lunettes et la moustache, franchement, tu es moche, tu es quelconque, tu me plais pas du tout, franchement. Pourquoi, à ton avis, moi j'aurais toujours la barbe, les moustaches, les lunettes? Affirmatif. Et pourquoi pas nanoy, alors? Tais-toi quand tu parles, va. Tais-toi quand tu parles? Mmh. Mais c'est pas français, ça. Je m'excuse, je n'ai jamais entendu vous dire ça. C'est pas français, non, ça. Non, non, ah, gna, gna, non. Non. Pour que tu me prends de moi. Tu sais, je suis parisien, moi j'habite dans le 15e. Et toi, qu'est-ce que tu sais, toi, de Paris? Paris, moi je le connais, Paris, parfaitement Paris. Moi je l'ai inventé, Paris, moi. J'ai fabriqué la tour en fait de mes propres mains, moi. Avec ta tête, si, t'as inventé si, Paris, toi. Non, il y a des espions derrière nous. Il y a des sursis, hein, ils s'en poussent la porte. Filons en douceur. Prends la valise. La valise? Oh, je suis pas un porteur, moi, monsieur, hein. Tu te prends pas pour une merde, hein. Parce que si toi, t'es une merde, moi, je suis une merde plus que toi, monsieur. Dis quand? Oh là là. Oh, ça, c'est mignon, moi. Oui. Depuis quand tu t'intéresses aux femmes, toi? Moi, pour qui tu me prends, moi? Ben, pour ce que tu es, un PD. Moi, un PD? Le type n'est pas normal, hein. Oh, minère, type là. Cherche, hein? Oh, je te jure, celui-là, même si je le retrouve un jour, mourant de soif dans le désert, je lui fais encore avaler des anges. Oh, où tu vas? Là, c'est celle-là, ma voiture. Oh, il est moderne, il a l'air conditionné et tout, c'est un moulin. Société anonyme du meurtre, j'écoute. James, c'est vivant. C'est impossible. L'assassinat de Marat. Big m'a affirmé l'avoir tué de 37 coups de couteau dans le dos, plus un dans les mollets. James, c'est vivant, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. James, il est là, je le vois, mais je le vois comme je vous vois. Mais je ne suis pas fada. Je vous dis que je le vois, je l'ai vu, de mes yeux vus. James, c'est vivant. Merde. Big!
Oui. James est vivant. Mais c'est pas possible! Je l'ai étranglé de mes propres mains! Babe, il y a un pacte entre nous, tu te souviens? Chaque fois que tu loupes quelqu'un, je t'enlève quelque chose. Œil pour œil, dent pour dent. Société anonyme du meurtre, j'écoute. Monsieur Freiner? Oui, qui est en pareil? Monsieur Borus. Monsieur Borus. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? J'ai payé pour la tête de James pour Romeo. Et il est encore vivant! Ne m'énervez pas, maître. Vous donne 48 heures pour le liquider. Ne vous inquiétez pas, maître. Sinon? Ne vous énervez pas, maître. Je vous ramène personnellement sa tête aujourd'hui, maître. Vous avez intérêt à ne pas le louper cette fois. Sinon, mes hommes ne vous louperont pas. Voyons. Qu'est-ce que je peux bien encore t'enlever? Je vous avais dit que je devais me faire enlever un ulcère. Ça te veut bien, non? Il te reste encore deux petites affaires. Non. Non, non. Tournez pas ça. Non. C'est drôle. Ça fait des années que je fais toujours la même rêve. Et je rêve toujours d'être ici, dans ces pays. Ici. Qu'est-ce que ça peut bien vous donner? Parce que d'après toi, tu rêves seulement que tu es déjà venu. Et le type n'est pas normal. Hein. Lui, il est là. Oui. Pourquoi tu parles comme ça? On m'a enlevé les amygdales, il faut toujours que je fasse plus. Non, mais alors, quand on t'a enlevé les amygdales, ben... Quelque chose me dit qu'on est suivi. Conservateur, hein? Oui, j'ai l'habitude. Hein? Oui. Accélère, accélère. Et je suis à fond. T'es sûr? Bah écoute, on est chargé, hein? J'ai pris les provisions ce matin. Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'une seule solution, hein? Il faut balancer. Mais alors, balance! Balance, je balance. Mais alors. Oh, mais plus fort la musique! Hannibal Palau. Hey.
Regarde celui-là, il était petit. L'animal. L'animal. Ah, l'animal. Aïe, qu'est-ce que c'est, fait une voiture toute neuve, dis donc. Voulez-vous ranger la voiture en garage, oui. Merci. Je t'aime. I love you. Je t'aime. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a quelque chose qui... Ah, celle-là, elle ne me reconnaît rien qu'à toucher. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette rêve. I love you. Ah! I love you. Mama, mama. Hey, Val. Martini. Martini. Pourquoi tu as dit Martini? Qu'est-ce qu'il y a dit Martini? Dis-moi, tu n'as pas été perroquet dans ta jeunesse, non? Dis-toi quand tu parles. Dis-toi quand tu parles. C'est pas français, ça. Demande aux Parisiens, il sait, lui. Ah, je sais plus rien, moi. Je comprends plus rien. D'habitude, toutes les femmes, ils tombaient amoureuses de moi. Les femmes? Eh oui, les femmes. C'est pas un rêve. C'est pas possible. Je rêve pas. Eh oui, c'est un rêve. Merde, c'est elle. C'est belle. Alors je rêve encore. Je rêve encore. Hey, hein? C'est bien belle. Ça, c'est sûr, elle est belle. Hein? Non, je disais belle, belle. Il s'appelle Belle. Et c'est mon amour. Non, tu as raison comme toi pour être belle. Elle est belle, mais elle s'appelle pas Belle. Je crois qu'elle s'appelle Béatrice. Mais bordel, qu'est-ce que tu racontes? Mais écoute, je... Pourquoi aura-t-elle changé de nom? C'est ce qu'on va voir. Écoute-moi, je te dis... Attends. Je peux avoir une paille, s'il vous plaît? Belle, Belle! Oh, merci. Belle, mon trésor. J'ai compris, très aimable. Merci. Mais Belle, c'est moi. Je suis ton James. Ah bon, parce qu'on est? Tu plaisantes. Voyons si la mémoire est allée bien. Tarzan. Oh. Appelle-moi James, petit saut. Tarzan, j'ai l'impression que monsieur veut faire ta connaissance. Bon travail. Arrêtez les chiens! Arrêtez les chiens! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Donnez-lui à manger! Donnez-lui à manger! Arrêtez-le! Je surveille, hein? Une première fois, on ne loupe pas une deuxième fois parce qu'il n'y aura pas une troisième. Tu as les instruments? Oui. Oh, mais t'as mis les plus longues. Oui. Les plus aiguisées. Mais voilà. Tiens-le. Pas là. Là. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me réveiller? Pourquoi? La même chambre. Le même hôtel. Bien. Le même paysage. La même tête que toujours, que chaque nuit. Et pourtant, tout est si différent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi? Le même savon. Tiens, regarde, le même dentifrice. La même eau. La même eau. Merci. Il y a pas de quoi. Il y a quelqu'un? C'est occupé. Ah, pardon. Je dois dire que cette rêve offre des moments exceptionnels. James, tu es le plus fort de la classe mondiale, internationale, universelle, de luxe. Qui parle? Olivier! Oh, quel barbe! Laisse-moi, je vais le tuer de mes propres mains. Bravo. T'as pensé à des mains, toi? Mes enfants, t'allais jouer ailleurs. J'ai pas envie de me bagarrer. Je suis fatigué, je viageais toute la journée. Laissez-moi. Sans ça, je me réveillerai courbaturé. Toi, James, tu te réveilleras jamais plus. Tu vas mourir. C'est vrai, on est vide de foi. Ah, t'es minute, mon petit. Comme il faisait dans le film.
Celui-là qui se défendait contre l'espion chinois qui l'attaquait au couteau. Ah ouais, il lui faisait une prise de karaté terrible. Ah oui, comme ça. Et l'autre qui l'attaquait avec les revolvers. Un coup de pied dans ses bons pots, n'est-ce pas? Ah ouais, si, si. Ça fait mal, ce rêve est vraiment merdique, hein? Bambini cretini, on s'est assez amusé maintenant, hein? Bon, la porte est par là, hein? Allez, la porte est ici. Oh, c'est malin, mais vous avez bloqué la porte. Je suis obligé à sortir pour la fenêtre maintenant. Oh. Oh. Oh, il soulève tes pêches de langouste. Bouge pas. Un peu, qu'est-ce que je dois faire? C'est à toi que je parle, ma belle Mirette. Qu'est-ce que tu y trouves, ma vieux? Ils sont pas d'accord, tous les deux. Ils sont fâchés avec toi ou quoi? Ils s'entendent bien. C'est ta tête qui ne veut pas voir. Laisse tomber. Je te signale qu'on est déjà au 14e étage. Menteur, on est au 7e. Oui, mais pour toi, ça fait 14. Tu vas double. Vais coucher. Toujours derrière. Mais pourquoi ils ont construit un hôtel si haut? Maman, si tu voyais ton fils, tu seras fier. Tu voulais toujours que j'arrive au saut. Bouge pas! C'était dans ma ligne de mire! Vise bien, hein? Là, dans les yeux. Là. Ah! Raté! M'a dépeu! Alors, il m'a échappé. J'étais sur le rebord, j'en ai vu deux. T'es furieux. Ils sont venus. Mais qu'est-ce qu'il me veut, ces deux-là? Je ne peux plus les voir, hein? Dis plus jamais que je louche. Ciao, poupée. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ne me touchez pas, vilain. Bêcheuse. C'est à moi. Maintenant, là. Vous avez vu mon professeur? Non. Portez ça au 221. Oui, c'est là-bas. Là, et en vitesse. En vitesse, oui. Hé, pourquoi elle court comme ça, la grosse? Oh, tu trouves pas qu'elle avait le drôle de regard? Vous pouvez me la porter ici, merci. Auriez-vous la gentillesse de servir? Sage, Tarzan. N'ayez pas peur, mademoiselle. C'est un brave petit toutou. Il ne s'en prend qu'aux hommes seulement. Vous êtes une femme, alors? Juste pas ma honte. Et... sucre? Oh non, merci, sans sucre. Vous avez amassé le dos? Oui. Oh, merci.
Vous n'êtes pas mal non plus, vous savez. Comme femme? Naturellement. Si vous aviez seulement un soupçon de virilité, Tarzan vous aurait déjà mis en pièces détachées. Tiens, mon petit. Vous avez des mains d'une légèreté. Des mains de pianiste. Vous voulez bien que ma serviette? Oui, tout de suite. J'ai une surprise pour vous. Moi aussi, j'ai une surprise pour vous. Oh, une surprise pour moi, ma chérie. Tarzan, occupe-toi de monsieur. Sage. Allez, Tarzan, au boulot. J'ai dit tout. Ne me touchez pas. Autrement, je dis que vous m'avez violé. La prouve. Je ne suis pas prendre avec des pensées. Bonjour, monsieur. Allez, je te le sac. Hein? Je te demande pourquoi tu t'es déguisé comme ça. Tu m'as reconnu? Non, à peine. C'est pour ces mes deux emmerdes qui se sont sous mes talons. À qui, les deux derrière, là? Bonjour, monsieur. Je ne peux plus les voir. Bon, maintenant, James, j'aimerais que tu me dises ce que tu sais de Béatrix. Ah, Béatrix, belle. C'est-tu ma vie? Belle, non, belle. Arrête. Ça s'est fait comme ça. Oh, qui m'énerve, cette espèce spaghetti, je te jure. L'opération Béatrix. Béatrix. Mais bordel, c'est quoi l'opération Béatrix? Oh, oui. Ça, je te... Chauffe, Sam, ne t'arrête pas. Hop. Garçon, champagne. Les meilleurs. Belle. Tu es plus belle que jamais. Pardon. Je m'appelle Béatrice. On me l'a déjà dit. Alors, tu as changé de nom. Raison de travail, je comprends. Tu rôles de type? Marrant. Pourquoi feindre de ne pas me reconnaître? Je sais. Ne me dis rien. Tu as voulu me mettre à l'épreuve. À l'épreuve? Hein? Un épais brouillard nous sépare. Mais le soleil reviendra. Santé. Plus tard, je suis occupé.
Je suis de trop. Alors va, faire ton clapet, ça. Il joue fort, ce pianiste. Il a raison. Bien sûr. Rapporte, Tarzan. Mm-hmm. Merci, Tarzan. Avec les hommes, c'est toujours moi qui décide. Tarzan, conduis monsieur sur la piste, j'ai envie de danser. Sam, musique. Vous êtes italien? Oui, pourquoi? Ça peut arriver n'importe qui. C'est très, ça commence à me plaire. Ah, oh, quelle soirée, quel succès, dis donc, tu ne peux pas savoir, hein? J'espère que je vais être en forme. James, tu m'apprendras à jouer au tennis. J'aime beaucoup comme sport, parce que c'est très chic, hein. Je sais, c'est très noble, le tennis. Si, si. Alors, mon mère, ne me fais pas honte, essaye d'avoir un peu de classe, toi aussi. Si, si. Je ne vais pas te faire la peine, mais tu es un peu ordinaire. Hein? Si, 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 si. Regarde-moi, je suis né avec la classe. Si. Alors, tu devras profiter de mon contact pour avoir du style. Bien sûr. Il te suffit d'imiter tous mes gestes. Si, si. Mais surtout... naturel, naturel. Si, 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 si. Tira, 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 tira. J'arrive. Il arrive. Salut. Et alors, ça fait 25 minutes que je t'attends, il ne reste plus qu'un quart d'heure à jouer maintenant. J'arrive, j'arrive. Il arrive, il arrive. Ah, ça y est, vous êtes prêt? Je suis toujours prêt. Je vous laisse la place. Poignée. T'as vu, j'ai vite compris, hein. J'arrive très bien à t'éviter, hein. Mais c'est très facile d'avoir la classe, plus loin, moi, c'est bien la classe. Alors, t'as gagné. Est-ce qu'il a gagné? Il a pris une dans les... Je te dis que ça. Oui, oui, oui. Hems! Hems! Qui c'est celui-là? Oh, tu m'énerves quand tu fais semblant de ne pas reconnaître les gens. Tu vois bien qui c'est ton petit ami, le PD. Petit ami PD à moi? Ça va pas, non? James! Le fantôme de mes rêves, il est vivant! Il est vivant, mon Dieu, je meurs! Écoutez, jeune homme, je vous connais pas, moi. Oh, regarde-moi, toi. Regarde-moi. Oh, tu sais, tu es beaucoup plus beau sans ces horribles poils sur le visage. Oh, James, mon amour, ma parole!
Il ne me reconnaît plus, cette grosse brute. James! James! L'espion qui m'aimait! Oh, mais ça, c'est trop, hein? Hey! Je suis sans dessus dessous. Laissez-moi! J'ai pris le deuil pour toi, regarde! Oh, qu'est-ce que j'ai cette rêve! Je ne vais pas me réveiller, moi. Laissez-moi. Oh, qu'elle est vilaine! Elle est vilaine! Ça y est, elle pique sa crise, elle pique sa crise! Allez, arrête un bisou, va lui faire un bisou! Bonne fille, on va faire un bisou, un bisou! Bon, il n'y a personne qui nous regarde! C'est dégoûtant! Va-t'en, laissez-moi! Toi aussi? Moi, je n'aurais jamais cru ça de toi! Mon Dieu! Il me trompe avec une femme! Et en plus, elle est belle! Quelle horreur! Espion! Sale petit espion! Arrêtez! Ah, même avec moi, tu jouais le double jeu! J'ai cru fort possible! Jamais! Jamais j'aurais cru ça de toi! Oh! Pocu! Cet espion m'a fait pocu! Je veux que tout l'hôtel le sache! Je suis cocu! Eh ben, les éblouis, il en est! Jamais j'aurais cru ça de toi! Pocu! Cet espion m'a... Ça fait une heure, hein? Ma carte au mancien, il l'avait déjà trouvé. Regarde toujours là. La boule est là, hein? Mais enfin, vous êtes diplômé, oui ou non? Vous vous appelez Giacomo? Si. Vous avez été enlevé? Oui. Et votre maman vous recherche depuis 5 jours? Vous avez vu tout ça là-dedans? Je sais quand même lire, non? Oh, ça alors, ma photo. J'étais sûr de ne pas rêver. Je suis pas James, je suis Giacomo. Maman! Il faut que je parte. À quelle heure j'ai l'avion? Rien à faire. Ils y croient pas du tout. Pour eux, tu es James Borromeo et c'est tout. Alors, d'ailleurs, je peux pas leur en vouloir, franchement. Tu lui ressembles comme 2 gouttes d'eau. Blanc, bonnet, boule. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te tuer. Ils ont dit ça? Ils ont dit ça, c'est tout. Ils vont te découper en morceaux. J'ai très peur pour toi. Ah oui. Allez, viens. J'ai très peur. Allez. Pas peur, hein? Bon, maintenant, toi, tu descends par l'escalier de service. Oui. Tiens, Ali qui t'attend dans les cuisines, hein. Il va te trouver une cachette sûre. Oui, Mohamed. Il se fait payer. Et la vie, elle est chère, Mister Giacomo. Tiens. Elle est très, très chère, la vie. Mais dis-moi, j'aimerais que tu me fasses un coup de splaiquement. Comment tu t'es rendu compte que c'était plus un rêve? Tu vois, Mohamed, moi, je rêve de tout. L'aventure, l'amour, même les choses terribles. Des cauchemars hallucinants. Mais d'être pédé, non. Jamais. Pédé, non. Ciao. Courage, Giacomo. Il faut lui parler. Entrez. Le chien? Il est dans la salle de bain, t'inquiète pas. Ah. Alors tu pars? Oui, pour toujours. Avec lui? Lui qui? Ton petit ami, voyons. Mais non, expliquons-nous un peu pour tout. Moi, je n'ai jamais eu de petit ami. Et en vérité, même pas de véritable petite amitié. Je connais que toi, croyant que c'est un rêve. Moi, je suis rien. Je m'appelle Giacomo, pas James. Giacomo. Je le savais. Tu le savais? Eh oui. C'est pas possible. Depuis quand? Depuis le début, voyons. À ta manière de me regarder. Hein? Tu sais, James, t'avais d'autres goûts. Hein? Mais cet après-midi dans le hall, vraiment, j'ai eu peur.
Mais tu embrassais ce garçon d'une manière. Embrasser? Lui m'embrassait, pas moi. Tu sais, c'est incroyable, vous êtes identiques en tout. En tout? Non, pas en tout. Ducal, les amis, je peux-tu vous expliquer? Bonjour, monsieur. Vous êtes en train de commettre une bévue monumentale, enfin. Je ne suis pas celui que vous cherchez. C'est qu'un effroyable quiproquo. C'est à mourir de rire. Mais oui, quelle bévue, quelle erreur. Ici, 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 ici. Nous ne rions jamais. Surtout dans le travail. Mais enfin, il y a erreur sur la personne. Vous ne voyez pas que moi, je suis un homme. Béatrice, dis-lui à lui que je suis un homme. Et si je leur dis? Tu accepteras de faire pour moi tout ce que je veux? Tout ce que tu veux, je le jure. Tout? Tout. Tarzan? Si, 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 si. Tu vas mourir! Oh là, quel chien, hein? Il a fini son train. Il s'en va. Très intelligent, c'est ça. C'est incroyable que tu peux lui ressembler à l'autre. Oh, dis donc, ça te va bien au teint, ça. Oh, mais c'est fou, ça te va presque aussi bien qu'à lui. Non, pas ça. Tout, mais pas ça. Tarzan. Si. Mais non, pas comme ça. Ça, déhanche-toi un peu plus, avec plus de grâce, plus de féminité, voyons. Comme ça? Oh, une femme du monde, tu comprends pas? Oh, je t'en prie, hein. Homme du monde au moins, hein? J'ai dit, je te le dis encore, à partir de maintenant, tu deviens la petite poulette de Diafoirus. Hein? Bon, d'accord, je suis une poulette. Oh! Bonjour, quelle maladroit j'ai subi. Je suis tombée comme ça. Je vais pas bien, le professeur Diafoirus. Ça va bien, mais la voix un peu plus grave, hein? Allez, allez! Je sais que tu commences à me plaire. Et toi, ça fait un sacré moment déjà que tu me plais, tu sais. Ben, c'est pas le moment de jouer les machos. Béatrice, je ne savais pas jouer cette comédie, moi. Ne t'inquiète pas, quand tu le verras, il te plaira. C'est un homme très raffiné. Raffiné, simpédé, c'est tout. Ne parle pas comme ça ici, ils le sont tous. Mais lui, il t'aime, il est fou de toi. De moi? Oui, de toi. James, le vrai. Ah. Celui que tout le monde croyait mort. Quel pédé. En réalité, il a filé aux Bahamas avec un grec. Un étranger? Alors tu peux imaginer l'autre. Dans quel état il était? Malade, fou de jalousie. Alors il a engagé deux sbires pour le tuer. Enfin, pour te tuer. Mais alors, cette histoire de cocu, pas d'espionnage. Une drame de la jalousie. De cocu, d'espionnage industriel, enfin, de tout, quoi. Mais toi, qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? Tu sais qu'avant de disparaître, James m'a promis de récupérer la formule que Diafoirus avait volée à mon père. Cette histoire a tué mon père. Pauvre papa. Ouais. C'est la vie. Alors écoute bien. Je t'écoute. C'est un produit révolutionnaire. Oui. Il est à moi et je le veux. Ah. Mais dans toute cette histoire, moi, j'ai rien à voir. Mais si, tu es le seul qui puisse distraire l'attention de Diafoirus pendant que moi, j'essaie de récupérer la formule. Mmh. Et ça fait beaucoup, beaucoup d'argent, tout ça. Ça vaut le coup, non? Détourner l'attention, comment? Mais avec ton charme naturel, voyons. Mon charme? Eh oui. Attention, le voilà. Salope! Il le regrette, tu sais. Le marin grec n'a été qu'une passerelle. Il n'aime que toi, pas vrai, James? Éperdument! T'es encore plus beau, entièrement rasé. Mais je te trouve un peu différent. T'es pas content de me revoir? Oui, très content de te revoir. Mais davantage, j'ai un peu honte de le montrer. J'ai eu du mal à te le ramener. Bravo. T'as droit à toute ma reconnaissance. En me ramenant James, t'as bien mérité 0,5% des actions du Béatrix. Mmh. Tu vois que je sais me montrer généreux. Je n'en ai jamais douté. Monte dans ta chambre. Oui. Je te verrai tout à l'heure. Nous avons à parler les deux. Ciao. Ciao. Ma poulette. Ciao, ma poulette. Et vous, messieurs, occupez-vous de nos invités. J'ai affaire maintenant. Oui. Oh, elle est tombée toute seule. Bonjour, j'en ai. Rouillez-vous un peu, fainéant. Laisse-le qui gueule. Même quand il gueule, tu aurais toujours.
Oh, s'il vous plaît, mademoiselle, allons, c'est interdit de servir au bar. C'est nous les barmaids, voyons. Ah, comme ça, vous jouez les doubles jeux, hein. Et en plus, vous êtes aussi... Authentique. Authentique, mais vrai, hein. Ah, faut bien manger, que diable. On travaille au noir pour arrondir les fins de mois. Tais-toi quand tu parles, mignonne. La ville est chère, Mr. James. Oh, la famille, elle est très, très nombreuse. Tu veux que je te montre les photos? Attends, tu bouges pas surtout, hein, bouge pas. Voilà. Hop là. Regarde, 27 personnes à charge. 214 ligeurs de fête. Bande de PD. PD, oui, certainement. Sauf que nous, poussés par le besoin, on fait semblant. Tandis que toi, tu l'es devenu. Oh, Béatrice, je t'en prie, hein. Explique à lui que... Écoute, ne te force pas, c'est pas la peine de jouer au macho. Allez, dépêche-toi, tu dois te faire belle pour ton petit ami. Je vous le fais pas dire. Ça, c'est trop, hein. C'est trop. Allez, viens, ma jolie, viens. Le type n'est pas normal, hein. C'est trop. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est con. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Il est con. C'est vulgaire, je m'excuse, c'est vulgaire. Bien sûr, c'est vulgaire. Tu parles pas comme ça quand il faut rester toujours. Voilà, c'est... Vendredi, 16h. T'inquiète, mon amour, je ne veux pas te voir comme ça. Notre amour était aussi beau et éphémère qu'un cocher de soleil au Bahamas. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas vivre sans lui. Je crois que j'en mourrai de chagrin. Accompagnez ce gars à l'aéroport et assurez-vous qu'il part bien. Merci. Tu crois que je lui plairai encore sans tu sais quoi? Mais vers des contacts, tu vois. Dieu, et je suis ému. Tu es merveilleuse. T'inquiète. Ne te retourne pas. Fais pas de folie, mon trésor. Adieu. Pose-toi. Décontention, alors qu'il est gros, s'il te plaît, prends-toi de la plainte, non? Je te jure que je suis normal. On n'était plus normal. Je vais tout t'expliquer. Qu'est-ce que tu veux lui expliquer? Rien, on parle de tout et rien. J'ai l'impression que tu oublies ton rôle. Hein? Tu sais, hein, fais attention, Ahmed. En se faisant passer pour un homme, il tente sa chance avec tout le monde. Oh, je le connais, moi. Pas la peine de m'expliquer, merci. Hein. Bon, mais combien de temps ça va durer encore, cette comédie? Jusqu'à ce qu'on récupère le Béatrix. Tu peux bien faire ça pour moi. Hein? Alors, tu peux faire quelque chose toi pour moi aussi. Hein? Oh, non, pas ici, c'est dangereux. On peut nous voir. Tu dois continuer à jouer ton rôle. Si. Si. Je continue à jouer mon rôle. Si. Bonjour, ma jolie. Bouge pas. Où est ma poulette? Toujours en colère contre moi? Par où t'es rentré? On t'a pas vu sortir. Ne te dérange pas. Je la trouverai toute seule. Ma poulette. Ma poulette. Toujours. Je lui dis, tu lui regardes, mais tu ne touches pas. Toujours. C'est bon. Je lui dis, basta. Mais, ça suffit, hein, maintenant. C'est d'un ferrous. Diafarous, hein? Maman, je vais être obligé d'y passer, maman. Entrez. Ah, c'est... Bien. Mais oui, c'est moi. Tu croyais que j'aurais pris pour toujours? Non. Je savais que tu aurais essayé encore une fois. Tu sais... Je suis désolée de me montrer si dure avec toi. Dure? Mais non, je te trouve aussi douce et charmante que toujours. Tu n'as pas changé. C'est toi qui es en train de changer. Tu ne crois pas que tu fais un peu trop de progrès? Hein? Ah oui, tu parles de mon aspect physique. C'est vrai, je suis d'une beauté bouleversante. Sans tu sais quoi. Hein? Tu ne trouves pas? Diafarous deviendra fou de moi. Allez, ça suffit. Viens m'embrasser. J'en meurs d'envie. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es folle! Oh, mais quel culot! Mon Dieu, il est tombé amoureux de son rôle. Oh, ce qui peut être con, ce mec!
Oh, ma blouse, je meurs pour toi. Je meurs, je crève, je ferai n'importe quoi pour toi, ma petite. Il faut que je parle, pour que je parle. Je ne suis pas pédé. Mais je m'en fous, pour moi tu l'es devenu et c'est tout. Tant pis, merde, personne ne m'éprouve. Oui, qui m'énerve, tes plats. Entrez. Béatrice, je réfléchis, j'abandonne. Excusez-moi, mais je ne peux pas, je ne peux pas. Diaparouche va arriver d'un moment à l'autre et moi... Et alors, tu n'es pas content? Mais comme tu peux penser que je sois content? Mais malheureusement, ça commence à te plaire. À force de le jouer, tu l'es devenu. Devenu quoi? Oh, je t'en prie, hein, tu vas pas me le faire dire. Je suis revenu pour toi. Je vais tout t'expliquer. Moi aussi, j'ai des tas de choses à t'expliquer. Ça va être ma fête? Alors, tu as encore des doutes? Plus du tout, mon chéri. Maintenant, au travail. On doit récupérer le Béatrix. Le tour à gauche, oui, à la statue. Elle était plutôt droite. Attends, il y a encore quelque chose. Alors, tu la trouves, cette combinaison? Oh, c'est lui, allez, allez, va le distraire, va. Oh, plutôt mourir. Allez, out. Pour toi, je fais tout. James, que tu fais ici? Oh, tu me demandes ça? Peut-être tu veux un peu de musique? Quel ensorceleur. Je ne comprendrai jamais. Il exagère. Tout à l'heure, dans la chambre, j'ai perdu la tête. T'as perdu la tête pour moi? Eh bien, viens, on fait la paix. La paix, la paix, la paix. J'y suis pas fâché. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Surprise! Ma parole, mais c'est qui les prend, quoi? Encore à lui. J'en suis sûr. À qui? Oh, ne joue pas l'innocent. C'est lui qui t'a enseigné ce numéro grotesque. Il travaillait chez Madame Arthur. Mais qui? Mais ton marin grec. Tu lui faisais ton striptease à lui aussi, hein? À mon marin grec. Oui, je faisais mon striptease à lui aussi. Et il était fou de moi. Qui est-ce? Oh là là, oh là là, hé, hé, hé. Ah! Au secours! Au secours, des Farouk! Au secours, Diapon, au secours! Oh! Oh! Oh, Giacomo! Giacomo, réponds-moi, je t'en supplie! Réponds-moi, même si tu es mort! Oh, je t'aime, Giacomo, je t'aime! Mais tu m'as poussé à ton premier regard, il faut que tu le saches avant de mourir! Ça va pas, non? Il veut me tuer! Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? C'est lui, l'agent secret? Oui! Dis donc, dis, c'est vrai, il me ressemble. Ouais. Qui c'est, celui-là? Quel beau garçon! Oui, mais lui, il n'a pas la classe. Il est vulgaire. Bon, encore ceux de là. Qu'est-ce que vous voulez encore?
Bons yeux, je deviens comme toi, je vois double. Lequel de vous deux est James? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Bon, mettons que tu ne sois pas James. Et bien sûr, je ne suis pas James, je suis lui, menteur. Donc, tu n'es pas non plus le petit ami de Virfondi. Et naturellement, tu préfères les femmes. J'adore les femmes, mais me font perdre la tête. Alors viens ici et embrasse-moi. Allez, viens. Allez. Qui subit celle-là? Je l'avais agrippée. Dépêche-moi, toi. Dépêche-moi, toi. C'est lui. Merde, les gardes. Au secours, au secours! On veut trouver la grande Farousse! Montrez-leur les grandes brutes que vous êtes par là! Par là! Oh, mais t'es bien le vrai au moins, oui? Tu veux que j'aie dans l'épreuve? On n'a pas le temps, Philo. Je connais un raccourci, oui. Bien. J'ai mal de mer. J'ai mal de mer. Oh, Chichou! Je peux plus, fou. Je peux plus, hein. Donnez-moi boire. Donnez-moi boire. Tu pars d'un raccourci, hein. On ne s'est pas trompé du virage, non? Quelle affaire. Moi, ce cheval, je l'aime pas. Il est plein de bosses. C'est dit tout de suite. C'est un chameau. Hey, vu sur celui-là. Il est un peu court sur pattes, hein. Il a dû prendre la course lui aussi. Bonjour. Ah, mama, Giacomo. Ça tombe bien, hein. Parce que moi, je ne remonte plus sur cette montagne russe. C'est dommage que ce ne soit pas un rêve. Parce que si j'étais en train de rêver, on verrait arriver tout de suite une belle Rolls avec air conditionné, champagne, caviar. Noir, avec un chauffeur. Et il suffirait de claquer des doigts comme ça. Non. Il n'y a qu'à demander, maître. Vos désirs, ils sont des ordres. T'es sûr que ce n'est pas un rêve? Ah oui, tiens, faut que je contrôle. Eh non, voilà la preuve. C'est ça? Es-tu ce bordel pour ce petit truc? Ce tout petit truc, comme tu l'appelles, eh bien, il nous fera devenir très très riches. Mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Écoute. Ah, t'as réussi, mon amour. Doucement, Zorro. Faudrait trouver un slogan publicitaire qu'il frappe davantage. Laxative Jacko. La formule des mamans. Si, 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 si. C'est ça. T'as pas gagné assez d'argent comme ça? À tout hasard. La vie est chère. Il mange beaucoup, ton chien. Ouf, tu sais, la réussite, hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. C'est la chance. Eh oui, ça aurait pu t'arriver à toi. Bon, moi, c'est mieux. Oui, c'est mieux parce que moi, je suis plus cultivé et tout. Je vous paye pour rien faire. Travaillez un peu. Peignant. Et toi, quand tu parles aussi. Ce n'est pas normal. Pas normal. Il est plus que normal, au contraire. Il est normal et tout. Voilà, c'est ça, là. Les nouveaux riches. Smoothies. Bon, arrêtez, hein. Saloperie. T'es quoi, t'as fait? Oh, tu peux cracher tout ça. Assure-moi, imbécile, allons. Giacomo, il y a une chose que tu ne m'as jamais dit. Quoi, chérie? Depuis que tu es devenu un homme heureux, comblé, est-ce que tu rêves toujours autant? Oui. Quel genre de rêve fais-tu? Des rêves très quelconques, très simples. Ah. Et qui rêves-tu d'être? Non, pas.
bon, charitable. Oui, mais qui? Giacomo, je te parle, tu m'écoutes. Oh, Dieu seul sait ce qu'il est en train de rêver d'elle. Qu'est-ce que je l'aime bien, celui-là, alors? Ça, c'est un superstar, c'est la classe. C'est pas comme l'autre, c'est une chance bidon, là. Giacomo, qu'est-ce que tu racontes? Tu parles en rêvant, maintenant? Maman! Mais enfin, tais-toi quand tu parles. Tais-toi quand tu parles? Mais c'est pas français, ça. Thank you.